Et bonjour, petite fougère de YouTube, on se retrouve pour une nouvelle VOD, toujours sur Northgard, toujours sur la campagne de Northgard. Nous sommes à la mission 7, Jotunheim. Pour atteindre la pierre runique d'Asgard, il nous faut traverser Jotunheim, le royaume des géants. Les Jotnars sont pacifiques, tout se passera bien. Objectif bonus, échanger la nourriture avec vos alliés Jotnars jusqu'à ce qu'ils vous laissent passer. Dévoiler l'histoire oubliée des Jotnars en examinant l'épée géante et gagner 100 formées de devins. Qui sont les gens qui soignent. Ça me semble compliqué ça quand même de ne pas faire de soignants. D'accord, on verra. Ça, il y a des chances que je le fasse pas non plus. Hein. Gagner 100 formées de devins, c'est possible que je dis Joseph. Le chef spirituel des rebelles du clan du sanglier est un homme de peu de mots. Sage et guerrier à la fois, il a choisi une vie simple, proche de la nature, fidèle aux anciens temps. Sa rébellion contre Vedrung allait y être écrasée quand vous êtes intervenu. Il est ravi de se joindre à vous pour combattre cet ennemi commun. Je me pose juste une question au niveau des actes. Est-ce qu'on n'a pas raté quelque chose? Les révélations de Liv, on l'a eu. Et ça, c'est là où on en est. D'accord, donc non, on n'a pas raté de truc. On n'a pas raté de truc. Ça va, c'est bon. Donc, Jotunheim, on est parti. Arborant une expression impassible et sereine, Svarn, le chef rebelle des sangliers, nous dévoila le plan de Vedrung. Je devinais pourtant la colère qui bouillonnait en lui. Par contre, écran noir, il n'y a pas de... Ça y est. Le tyran cherchait à détruire le Bifrost, le pont légendaire menant à Asgard. Si ses raisons restaient obscures, les conséquences seraient terribles. Le Ragnarok, la fin des dieux et de notre ère. La rébellion de Svarn s'était formée dans le seul but de l'en empêcher. C'est vrai que le Ragnarok, ça a l'air d'être nul, hein. Le Bifrost étant caché au plus profond de Northgard, Svarn espérait en apprendre davantage en déchiffrant la gigantesque pierre runique d'Asgard, une ancienne frise qu'aurait gravée Odin en personne. Ok. C'était là le début d'un très long voyage. Notre première étape consistait à traverser une région appelée Jotunheim, le royaume des géants. The land of giants. Ok. Très bien. Ça va être fun. Bon, on va avoir des géants. Normalement, on peut être copain avec eux. Il faut juste échanger des ressources. Et une fois qu'ils sont potes avec nous, ils nous laissent traverser en fait leur territoire sans être loup. Donc, on va essayer de faire ça assez rapidement. Nous voici donc arrivés à Jotunheim. Ce n'est pas la première fois que nous croisons les Jotnars. Je pense que nous pourrons traverser leur territoire sans trop de difficultés. Non, Fjolsvin, la laine et la viande des moutons nous reviennent de droit. C'est incontestable. Ces animaux nous appartiennent, tout comme l'herbe qui broute. Il est normal que nous bénéficions de ce qu'ils produisent. Tu devrais même nous en être reconnaissant. Non seulement nous vous payons pour votre travail dérisoire, mais nous vous protégeons du danger. Vous nous payez? Les miens sont au bord de la famine. Tu ne fais rien de tes journées. À part festoyer, en profitant de notre travail dérisoire. C'est nous qui nous occupons des moutons. Nous qui vous nourrissons, vous habillons. C'est à nous que devrait revenir le fruit de notre labeur. Salutations, Jotnar. Je m'appelle Frigg, fils du défunt haut roi Argugrof. Nous venons en paix. Nous demandons seulement la permission de traverser votre territoire. Une affaire urgente nous appelle au-delà Jotunheim. Silence humain! Je ne te connais pas, tu n'as aucune importance. Attends un peu, Skirmir, j'ai une idée. Pourquoi ne pas demander à l'humain de déterminer qui a raison? Notre querelle a bien assez duré. Je préférais ne pas avoir à prendre parti. Nous souhaitons uniquement traverser vos terres. Nous vous laisserons passer, une fois que vous aurez tranché la question. Pour moi, il est évident que le propriétaire des moutons et des terres doit profiter en premier lieu de leurs fruits. C'est son droit, et point final. Ce sont les mots d'un enfant gâté. La propriété n'est qu'un moyen d'oppresser les travailleurs. Ouais, je suis assez d'accord. Je propose qu'ils partagent à la fois le travail et le fruit d'exploitation. Il suffit d'établir une liste de tâches et de délais, puis de diviser la production de façon équitable. Nono boostant le... J'ai une solution plus simple. On coupe tous les moutons en deux et on fait moitié-moitié. À mon avis, la volonté des moutons devrait être prise en considération. Pourquoi ne choisiraient-ils pas eux-mêmes à qui revient ce qu'ils produisent? Tout le monde qui se retourne vers lui en mode... frère? C'en est assez. Laissez-moi réfléchir. La laine et la viande doivent-elles nous revenir à nous qui travaillons dur et nous occupons des moutons? Ou nous revenir à nous, les propriétaires légitimes des moutons et des terres héritées de nos ancêtres? Bah non, je dirais ceux qui exploitent, hein, Billy.
Et non, il est hors de question de partager. Cela trahirait l'esprit de nos ancêtres. Et donc, lequel de nous deux choisis-tu? Ah! Il faut que je choisisse une des deux factions. Fjolsvin est le chef des ouvriers de Jotunheim. Ce dernier estime que dans la distribution des ressources, leurs efforts devraient prévaloir sur toute notion d'héritage. Skrymir est le roi de Jotunheim, et ses terres lui appartiennent. Son peuple est convaincu que cela lui donne le droit à toute la production issue de l'élevage des moutons. Bah non, t'es propriétaire, mais t'es pas exploitant, donc en fait, nique toi. Hein, voilà. Le FLM vaincra, Front de Libération des Moutons. Exactement. On va être avec Fjolsvin. Je pense que Fjolsvin a raison. Même si ces hommes et lui ne possèdent rien, ils travaillent dur, ils sont donc en droit de revendiquer le gros de la production. Skrymir peut sûrement s'en sortir avec une partie des ressources. Les humains se rangent du côté de ces ingrats de paysans. Préparez-vous à subir le courroux des seigneurs légitimes de ces terres. Bah, nique-toi, hein. Oui, voilà, pareil. Bah. Cet escroc de Skrymir répondra par la violence, comme toujours. Nous devons le déposer pour espérer un avenir meilleur. Vous pouvez compter sur Jafnardr, le champion du peuple, ainsi que sur différentes ressources. Si notre champion venait à périr, notre destin serait scellé. Jafnardr doit rester en vie, coûte que coûte. D'accord. Ok. Alors, le clan Slidrutani, d'un naturel sauvage, le clan du sanglier, s'est tiré profit de la richesse de la nature au détriment du commerce et des constructions. En outre, le degré d'érudition de ses membres est inégalé. Utilisez ses deux mains pour cumuler rapidement du savoir. Ok. On va commencer par un camp d'éclaireurs. Hop, camp d'éclaireurs. On va venir prendre un peu nos héros, déplacez-vous. Voilà. Je vais vouloir assez rapidement mettre un doc à Drakkar, mais ça attendra. Et donc du coup, cabane de 20. Ils soignent la blessure, la maladie à l'intérieur de votre territoire et recherchent sinon du savoir plutôt que de la bouffe. Alors ça, c'est le petit malus. Eux, les soignants là, ne vont pas produire de nourriture. Par contre, ils vont produire de la science. Ils vont produire de la science. C'est déjà un bon début. C'est déjà un bon début. Toi, viens là. Allez, recherchez vite. Je veux savoir ce qui m'entoure. J'ai besoin de trouver une forêt. J'ai besoin de trouver une production de bouffe. Allez, les gars. Allez, allez, allez. Hein. On y croit. On y croit, on y croit, on y croit. Est-ce que j'organiserai pas un petit festin en vrai pour booster ma prod? Ouais, hein. C'est quoi mon bonus de renommée? À 200 héritage, vous obtenez une connaissance gratuite non comptabilisée dans la victoire de la sagesse ou l'obtention des dons. Oh. Et à 500. Freya, les pénalités encourues en hiver sont grandement réduites. Baldr, 5 de bonheur plutôt que 2. Et Yord, la puissance d'attaque de votre troupe et des défenses des tours est améliorée de 10%. Ok. Alors là, on a ça. Ça, je vais le vouloir effectivement. Toi, tu viens là. Il y a peut-être une forêt ici. Il y a peut-être une forêt ici, ça va m'intéresser. Là, je vais aussi coloniser en vrai. Je vais coloniser tous les territoires. Je vais coloniser tous les territoires autour de moi. Je vais en avoir besoin. Je vais en avoir besoin. Allez. Là. Pour l'instant, je vais pas mettre de prod parce que j'ai besoin de savoir ce qu'il me faut. Où est-ce que j'ai du bois ou pas? Est-ce que j'ai une forêt ou pas à côté de moi ou pas? Ça va être important très vite. Ça va être important très vite. Allez. Allez les gars, je crois en vous. Je peux augmenter peut-être ça vite fait, un petit bonus. Voilà. Il n'y a pas de forêt, fait chier. Il n'y a pas de forêt, fait chier. Et peut-être là. Peut-être là. Ici, qu'est-ce qu'il y a? Une forêt. Il y a une forêt. On va pouvoir venir attaquer Billy ici. On va venir pouvoir attaquer Billy ici. Hop là. On va venir prendre le territoire. Ici, c'est un Jotun sauvage. Créature antique d'une époque depuis longtemps révolue. Les Jotnars sont pacifiques tant que personne ne les attaque. Mesurez-vous à eux. À vos risques et périls. Il met de sacrés baffes, hein, Coco. Il met de sacrés baffes. Je vais reculer un peu dans pas longtemps parce que sinon je vais perdre mon héros. Ouais. Ne pas laisser votre champion Jotnar mourir. On va faire attention. Hein. Jafnardr. Ok. On va bientôt le voir tuer. C'est bien. Je vais pouvoir récupérer ici la forêt. Je vais pouvoir récupérer ici la forêt. Allez. On a presque tué le Jotnar. Parfait. On colonise. On colonise, on colonise. Très bien. Toi, je te ramène en arrière pour l'instant. Et je vais venir mettre ici une cabane de bûcheron. Hop. Hein. Ici, on envoie quelqu'un. Et je vais pouvoir commencer à mettre des emplacements d'habitation. Pourquoi est-ce que j'ai des emplacements d'habitation de 14? Toi, tu rapportes 6.
Qu'est-ce qui augmente autant mes emplacements d'habitation? C'est un trait de base? Les cabanes de demain remplacent la cabane de soins. On peut coloniser des zones neutres. Ouais. Chaque territoire supplémentaire augmente le maximum de population de 2. Oh, c'est fort ça. C'est très très fort ça. C'est très très fort. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. On va venir mettre hein, tout ce qu'il faut. Là, toi tu vas là. Toi, tu vas là. Toi, t'es où? Tu vas là. On va vouloir un mineur ici. Hop. Non. Toi, tu vas là. Ok. Là, vous venez construire. Très bien. Et j'ai plus de bois. Et je n'ai plus de bois. Ok, il y a des yotnars ici aussi. On va devoir faire attention parce qu'on a commencé à prendre des dégâts. Donc on va devoir faire une cabane de devin. Histoire de se soigner. Ça me demande du bois. Bon, en attendant, on va déjà faire ça. Ça sera pas mal. Ici, on a une forêt, donc c'est bien. On a d'ailleurs une deuxième forêt tout à gauche, ici aussi. Ah, et je pourrais plus 10 parce qu'il y a un loup. En vrai, c'est intéressant. Hein. En vrai, c'est intéressant. On va voir exactement comment je vais me débrouiller. On va voir comment je vais me débrouiller. Ici, tu viens là. Les villageois, il y en a un qui va là. Et les villageois, il y en a un qui va là. J'ai un pélo qui ne fait rien. Oui, c'est vrai. Cabane de devin, du coup, c'est du soin et pas de la bouffe. Donc je vais te mettre ici. Je vais le mettre ici parce que en vrai, vu qu'il produit pas de bouffe, ça n'a pas intérêt de le mettre là où il y aura un silo de nourriture. Autant laisser l'emplacement pour peut-être autre chose. Même si je suis pas sûr d'avoir autre chose d'intéressant pour produire de la bouffe, en fait. Non, en vrai, non. Mais par principe. Par principe. Ok, il va falloir que j'attende un petit peu. Toi déjà je vais t'envoyer ici, tu vas produire plus de bois. Plus de bois c'est bien. Plus de bois c'est bien. Toi tu vas commencer à faire du soin. Toi tu vas commencer à faire du soin, surtout que derrière vous allez faire du coup de la connaissance, ce qui est très bien, ce qui est très bien. Ce qui est très 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 bien. Voilà, commencer à soigner, c'est parfait. Ici j'ai deux pêcheurs, ici j'ai deux chasseurs, c'est pas mal. C'est pas mal, il va me falloir plus de bois. Ouais, plus de bois, donc je vais venir prendre la forêt qui est là. Il y a un seul loup, je vais le massacrer vite fait, récupérer le territoire, ça sera pas mal. Oh, là, il y a quoi? Il y a des champs. Traclaireur est blessé. Ouais, bah merde, hein. Voilà. Ici, Vimenes, le coût en bois des bâtiments est réduit de 50%. Ah! Réduit de 110% l'hostilité de l'environnement, augmente de 10% la production des unités spécialisées dans les forêts, les marais et les zones comptant des poissons, permet de coloniser et... Oh! Oh! Il y a des trucs intéressants. Je vais mettre vie modeste. Pour l'instant, je vais mettre vie modeste. Je pense que c'est pas mal intéressant. On va venir coloniser ici. Parce que j'ai besoin d'avoir plus de bois. Et j'ai besoin d'avoir plus de bois. Ah, ici, il faut que je vais venir mettre ça. Très bien. Et ici, production de bois améliorée. Production de bois améliorée. Villageois, ici. Villageois... Ici, on va venir quand même un petit peu augmenter nos productions, un minimum. Ok, d'ailleurs je pourrais de nouveau mettre ici parce qu'il y a, du fer. Je sais pas où il est, mais il y a du fer ici. Il est caché où? Ah, il doit être là, peut-être. Non? Où est le truc de fer? Non, parce que ça, c'est juste la forêt. Bon, a priori, il y a du fer là-dedans, mais je sais pas où. Si, c'est peut-être là, mais... Je ne sais pas. Quand même, ça se voit normalement. Ouais, non, mais ça doit être là-dedans. Hein. Ça doit être dans l'arbre qu'il doit y avoir le gisement de fer. Ça arrive. Il est caché. Il est caché, il est caché. Ici, j'aimerais bien coloniser, mais j'ai pas assez de bouffe. J'ai pas assez de bouffe. Toi, Billy. Toi, Billy. Tu vas venir ici dans la forêt. Pour l'instant, tu vas venir ici dans la forêt. On va faire quoi d'autre? La forge, ça sera intéressant à terme, mais pas forcément tout de suite, tout de suite. La cabane à Drakkar, on va la faire. On va la faire. On va la faire. On va arriver en hiver, on va avoir le malus bientôt. On va avoir le malus bientôt. On va avoir le malus bientôt. Ok. Ici, on a un villageois en trop. Tu deviens un bûcheron, frère.
Tu deviens un bûcheron. Une trailer était blessée. Oui, bah merde. Hein. Merde, voilà. Je vais vouloir récupérer ici hein, du terrain quand même. Il y a pas mal de yotnar sauvages. Il y a pas mal de yotnar sauvages. Mais il y a de la production de bouffe notamment. Il y a même deux productions de bouffe côte à côte. On va vouloir récupérer ces endroits-là. On va vouloir récupérer ces endroits-là. Parce que là, on ne joue plus avec le clan du corbeau. Donc, on n'a plus le bonus de production. En fait, de. Enfin, de, pas de production, mais de, d'achat des secteurs avec l'argent. Là, on l'a pas. Donc, il va falloir trouver vraiment de quoi produire bien, bien bonne la nourriture. Ça va être important. Ça va être important. Je vais améliorer assez rapidement mes silos. Hop là. Toi, tu viens améliorer un silo ici. Web, 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 on va améliorer notre production de viande. Là, j'ai pas de poisson, hein. Malheureusement, ici, j'ai pas de poisson. Là, par contre, il y a de la terre fertile, mais je pense que c'est plus intéressant de prendre à droite. Parce qu'il y a deux trucs, en fait. Il y a deux trucs des deux côtés. Là, d'ailleurs, il y a de la science aussi. Je vais venir prendre ici cette terre. Quoique, on est en hiver. On est en hiver, ne pas se précipiter. Il me semble que j'ai un malus hein, en hiver. Après, je vois pas qu'il y a de malus sur mes unités. Je vois pas de malus sur mes unités. On va tester. On va tester. On va tester le combat. On va voir comment ça se passe. Si je prends cher, si je prends trop cher, je ferai un recul. Je ferai un recul. Effectivement, ça tape fort. Ça tape très fort. Mais ça devrait passer. Ouais, ça devrait passer. Alors là, j'ai un des clampins qui a... Ouais. Ah, ça va passer, je pense. Je pense que ça va passer. Expansion réduit, ouais. Ou augmente. On va faire ça, réduit de l'hostilité. L'hostilité de l'environnement réduit, c'est pas mal. L'hostilité de l'environnement réduit, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. On va faire un silo à nourriture ici aussi. Toi, le villageois, tu viens là. Mes troupes, c'est comment? C'est limite, mais ça devrait passer. Ça devrait passer. Ça devrait passer, mais s'il y a quand même limite. Hein. Mon éclaireur est mort, par contre. Ah. Nul. Et ici, je peux colo. Voilà. Je viens coloniser. Bon, je viens coloniser. Je vais refaire un éclaireur. Je vais refaire un éclaireur. Je vais voyer aussi des gens récupérer du pognon et de la connaissance. Ouais. Pognon et connaissance, c'est bien. Ici, on va venir mettre une cabane de pêcheurs. On va mettre un silo également. Hop là. Toi, t'en es où? T'as presque fini ta construction, Billy? Allez, un petit effort, un petit effort. Parfait. Tu vas pouvoir venir ici. On va venir améliorer ici. Il faudrait que je fasse des maisons aussi à des moments. Il va falloir que je fasse un peu des maisons quand même. Tac. On va venir mettre des maisons. Là où il y a des zones de production de bouffe, hein. Ça me semble bien. On peut améliorer la zone, mais c'est pas nécessaire là tout de suite. C'est pas nécessaire là tout de suite. On est repassé en positif de bouffe. Ça va. Notre ennemi va nous attaquer avec ses yotnars. Préparons-nous à une épique bataille. Ah. Ah. Certes. Eh ben, on va venir mettre de la protection. Hein. On va venir mettre de la protection. Parce qu'effectivement, on risque de prendre un combat un peu trop violent pour moi. Faudra peut-être que je pense à faire des troupes militaires. Faudra peut-être que je pense à faire des troupes militaires parce que je suis pas sûr de résister très bien. Je suis pas sûr de résister très bien. Surtout que là, on a pris du dégât. Surtout que là, on a pris du dégât. On va faire un camp d'entraînement. Bah, je sais pas où. Hein. Peut-être là. En vrai, peut-être là. On va faire un camp d'entraînement comme ça. On va faire un camp de lanceurs de hache. Je suis au maximum. Dès qu'ici, les mineurs auront fini, je déplacerai. Je déplacerai ce qu'il faut. Ok. Là, fini les tours. Finissez les tours rapidement. Si déjà j'ai les tours, ça va aider. Si déjà j'ai les tours, ça va aider. Ça va finir un début de coup de main. C'est déjà bien. C'est déjà bien. Hop. Là, le villageois en plus. Tu viens là. Tu viens là, tu viens là. Là, ici, la tour, elle est comment? 23%. Waouh, ça prend du temps. Ça prend grave du temps. Ça prend grave, grave, grave du temps. Ça prend grave, grave, grave du temps. Je vais vouloir un comptoir également par ici. Je vais vouloir un comptoir parce qu'il faut que j'échange pour pouvoir traverser le terrain de l'autre.
qui est quand même relou. Votre éclaireur est mort. Ah, génial. Quelle joie. Allez, 66%. Oui, certes. Ici, il n'y a personne pour miner. Ouais, en fait, j'ai mis aucun mineur pour l'instant. Je n'ai mis aucun mineur. J'ai fait les mines, mais j'ai mis encore aucun mineur pour le moment. C'est un peu nul. Tiens, viens aider là. Toi, tu vas venir commencer à miner par là. On va commencer à récupérer la pierre. Quoique, non, tu vas te mettre là, en vrai. Toi, bah, tu vas devenir un soignant. Enfin, pas un soignant, un pêcheur. Parce qu'on est limite en termes de bouffe. On est plus que limite en termes de bouffe. Toi, j'attends que t'aies fini. On a de la connaissance, c'est bien. Augmenter la puissance d'attaque de mes unités militaires, ça me semble bien. Ouais, on va augmenter la puissance de mes unités militaires parce que ça craint sinon. On est passé tan, j'obtiens une connaissance gratos. Eh bah très bien. Stratégie défensive, j'augmente la puissance de mes tours, ça me semble très très bien. Parfait. Ok. Bon. Je vais me faire attaquer soon, donc je vais pas relancer de trucs parce que eux vont me lancer une attaque. J'espère avec pas trop de monde. Là vers le héros. Il va falloir que j'ai un humain pour l'envoyer faire des trucs. Il va falloir que j'ai un humain rapidement pour envoyer faire des soldats. Parce que là on va se faire ouvrir. Je pense qu'on va un peu se faire ouvrir. Il est pas censé m'attaquer, Billy ? Si. Il m'envoie un seul Yotun. Ça devrait aller du coup. Je pense qu'il va venir ici. Je vais me mettre là. Du coup, je vais attendre. Avec un seul Yotun, sachant qu'on a la tour pour se défendre. On va voir comment ça se passe, mais ça devrait passer. Ce qui va quand même prendre pas mal de dégâts. La tour est quand même assez efficace en général. C'est qui prend les dégâts pour l'instant ? C'est mon héros. Mais vous voyez que le Yotun prend vraiment cher très vite. Grâce à la tour, grâce à mon héros, à mon géant et en plus à des deux petits pêcheurs qui viennent mettre des baffes, ça va passer tranquille. Même pas besoin de faire reculer le héros. Parfait, ça passe. Nickel. Parfait. Très bien. Prochaine étape, ça va être d'améliorer ici. J'aimerais bien récupérer de la science. Mais pour récupérer de la science, là il y a une pierre. Ouais, mais je serais peut-être tenté de récupérer d'abord de la bouffe. Ouais. Je pense que je vais vouloir récupérer de la bouffe d'abord. Je vais attendre que mon gars se soigne. Et je vais lancer une attaque. Quoique, est-ce que j'attaquerai pas un coup le temps que mon perso se soigne? Une fois que l'autre est trop blessé, je le fais reculer, j'envoie mon héros, et ainsi de suite, j'alterne. Ça peut être pas trop mal. Tiens, d'ailleurs, tu peux attaquer maintenant. Confère plus de bonheur. Oui, ça m'a l'air bien. Et en même temps, j'aimerais aller vers ici. On va faire ça. Il faut que je fasse attention à mon géant. On va pas trop tarder à le faire reculer, quoique... Oh, ça doit passer en vrai. Ça passe. Un peu limite, mais ça passe. Tiens, va te reposer, Billy. Il me faudrait 250 de nourriture. Je les ai pas encore, mais ça va pas trop tarder. Et je vais me faire réattaquer dans pas longtemps. Ah, génial. Si je mets des gens ici... Le problème c'est que j'ai besoin de nourriture d'abord. Donc je vais attendre ici d'avoir les 250 et de coloniser. Et comme ça je vais mettre de la bouffe. Ça me semblerait pas trop mal. Il y a pas mal de territoire, hein. Il y a pas mal de trucs à explorer. Oh, le bonus ici de dégâts. Le courroux de Thor. Ça me semble bien.
ça me semble très bien. Ouais, hein. Un éclaireur a été blessé, oui, certes. Certes. Il reste combien ici? 23. Ah, d'ailleurs, j'ai jamais exploré la ruine qui est là. Merde. Je n'ai jamais exploré la ruine qui était là. C'est couillon. Votre ennemi va vous attaquer avec un yotnar. Oui. Je ne sais que trop. Voilà qui est intéressant, les PG géants. Cette relique des yotnar pourrait nous en dire plus sur leur histoire. Compris. Colonisons cette zone et demandons à nos érudits de l'étudier. Ok. Très bien. Tous les Dark Masters dans cette zone produisent 100% de savoir en plus. Oh, intéressant. Intéressant. Assez intéressant. Donc on va vouloir y aller. On va vouloir y aller assez rapidos. On va venir mettre de la bouffe. De la bouffe. Et peut-être une petite maison. Pourquoi pas. Peut-être une petite maison. Pourquoi pas. Par là. Allez. Et une tour. Et une tour. Voilà. Billy, tu viens construire par là. Tu viens construire par là aussi. Mes gars, vous avancez là. Vous avancez là. Allez. Allez. Je ne vais pas lancer l'attaque. Je serais tenté de venir essayer d'attaquer ici pour commencer à préparer le terrain pour récupérer, en fait, le cromlech. Mais je pense que ça craint trop. Je pense que ça craint trop. Donc, non. J'ai un villageois en plus qui est dispo. Tiens, viens ici. On va essayer de booster un maximum la production des bâtiments rapidement. Notamment la tour. La tour, ça serait très bien. La tour, ce serait très très bien. Ce serait vraiment très bien. Là, la prochaine amélioration qu'on va prendre, ça va être... le coup... Oh, attendez, ça... Alors, artisanat, c'est pas l'amélioration qu'il y a d'habitude ici. Donc, ça m'arrange pas. Parce que j'aime bien la réduction du coût d'amélioration. Par contre, les bâtiments qui sont non améliorés obtiennent un bonus de production de 15%. Et ça, c'est pas mal. Ça, en vrai, c'est pas mal. Ouais. Il y a quoi par ici? Chaque devin actif augmente la production dans la zone de la cabane de devin de 5% pour la production de savoir. Oh. Ouais, mais artisanat, je pense que c'est bien. Artisanat, je pense que c'est bien. On va partir dessus. Osmose, vous obtenez un de bonheur pour toutes les trois zones colonisées. Oh. T'as moyen d'augmenter ton bonheur bien comme il faut, en vrai. Alors là, on va en envoyer deux. Et du coup, j'ai un pélo tout seul qui est en train de faire la tour. Je vais me faire attaquer bientôt. Un membre du clan sans affectation. Oui, certes. Du coup, je vais venir améliorer la maison. Hop, je vais venir améliorer ça ici. Voilà. Et la prochaine étape, ça va être d'améliorer, je pense, le camp d'explorateur. Je pense. Du coup, toi, l'explorateur, je vais t'envoyer explorer là, ici. Ceci. On va avoir l'attaque. Je vais commencer à booster un peu ma production de minerais. Ça va être plutôt pertinent. Donc là, on est un peu limite parce que j'ai juste mon guerrier et mon... Enfin, mon héros et mon champion. Il va me lancer une attaque, je sais pas vers où. Là, il est là. C'est lui. Tu vas dans quelle direction, Billy? Est-ce que tu... Ouais, il choisit le même chemin que tout à l'heure, donc il va venir m'emmerder ici. Ok. Quoique... Non, tu vas où, là? Putain, il va venir en bas? Mais non. Il va se déplacer par ailleurs. Il va venir soit là, soit là. Putain. L'emmerdeur. Mais quel emmerdeur. Tu vas où? Tu vas vers la forêt ou tu vas vers le camp qui est là? Il va vers la forêt. Bon, il y a des mecs. Au moins, il y a des mecs. D'ailleurs, je vais refaire une maison de devin par ici. Ah oui, mais je peux pas parce que là, c'est attaqué. Le bûcheron, tu recules. Le temps que le combat se fasse. On perd en bonheur parce que... Trop de population.
Parce que trop de population. Certes. D'ailleurs, j'ai une maison ici. Viens faire la maison qui est là, Billy. Viens faire la maison qui est là, Billy. Ça se passe comment le combat? C'est bon. C'est bon. Donc je disais, un autre soignant ici, ça sera bien. On va faire un autre soignant ici. Ça me rapportera plus de connaissances, c'est bien. Par contre, le bonheur, on n'est pas bon. Le bonheur, on n'est pas bon. Et c'est un peu nul. C'est un peu nul, mais le prochain truc que je vais faire, ça va être osmose. Qui justement va me permettre d'augmenter mon bonheur. Donc finalement, l'un dans l'autre, on va retomber sur nos pieds, je pense. On va retomber sur nos pieds, je pense. Ça devrait être pas trop mal. Hop, le villageois, t'as fini, tu viens là. Tu viens là, tu viens là. Là, je vais vouloir augmenter mon terrain. Et en vrai, j'irai bien vers là. Hein. Ouais, ouais, je sais que vous êtes pas content. Je sais que vous êtes pas content. J'irai bien vers là, ouais. On va coloniser ici. On va coloniser ici. Et du coup, osmose. Bam, on passe à plus 4,7. Très bien. Je vais voir faire quoi? Le don de Baldr. Plus de bonheur. Voilà, ça me semble très bien. Ça me semble très très bien. Donc là, on est passé à plus 8 hein, de bonheur. Ce qui était bien parce que juste avant, on était à 0,4. Ce qui était très nul. Donc, on produit tous les 20 jours quelqu'un. On produit tous les 20 jours quelqu'un. C'est plutôt pas mal. On va faire un hôtel des rois également pour augmenter toujours mon bonheur. Ce qui me semble pertinent. Et il faudra que j'augmente par contre mes revenus de crown. Faudra que j'augmente mes revenus de crown. Oui, certes. Et j'ai même pas assez de crown pour faire des tours de défense. Je n'ai même pas assez de crown pour faire des tours de défense. Donc en vrai, on va commencer à faire des marchands tout de suite. On va commencer à faire des marchands tout de suite. Pas trop le choix. Pas trop trop le choix, malheureusement. On va venir faire une route commerciale avec les Jotnar. Vous aimez bien la bouffe. Donc mon copain, on va lui envoyer justement de la nourriture. De la nourriture ou du bois? Ça revient au même. Je vais lui envoyer du bois plutôt. Je vais lui envoyer du bois, ça m'arrange. Ça m'arrange. Ça m'arrange, ça m'arrange. Gisement épuisé. Carrière, hop. Au revoir. Les mineurs, vous allez venir ici. Au fur et à mesure, je vais miner un maximum de choses. Mon ennemi va attaquer dans pas longtemps. Oui, je sais, certes. Hop. J'ai bientôt un villageois. J'ai un villageois. Hop, parfait, tu viens là. Tu viens là, tu viens là. Ici, on va continuer à augmenter un peu notre revenu en crown parce qu'on est vraiment bas. On est vraiment, vraiment, vraiment bas. C'est pas ouf. C'est pas ouf. On va venir mettre un camp ici de porte-bouclier. Ouais. Ouais, c'est bien. C'est bien, c'est bien. On pourrait organiser un festin, mais je suis pas certain de l'utilité. Mais je ne suis pas certain de l'utilité. Ouais, ça ferait pas forcément de mal, hein. En vrai. Ça ferait pas forcément de mal. À voir. À voir. L'hôtel des rois était fini. L'hôtel des rois était fini. Donc, un marchand de plus, s'il vous plaît. Hop. Voilà. Donc, on envoie plus de bois à notre copain. Mais ça nous rapporte plus. Mais ça nous rapporte plus. Toi, viens construire ici. Toi, t'es en train de faire ça, c'est très bien. T'en es où? 50%. Je ne sais pas encore où va attaquer mon voisin. Je ne sais pas encore où va attaquer mon voisin. En vrai, ce qui pourrait être bien, c'est de venir prendre le territoire pour être devant chez lui. Comme ça, je sais qu'il sort un des deux territoires forcément. Et si je mets toute la population qu'il faut dedans, notamment en mettant des bâtiments et tout ça, bah ça tiendra en fait sans que j'ai besoin forcément d'avoir mes héros contre. Sans forcément avoir mes héros contre. Ça peut être un bon point. Parce que là, il peut balader un peu partout et m'attaquer en fait sur tous les fronts. Ce qui est un peu relou. Ce qui est un peu relou. Ce qui est même carrément relou. Toi, tu viens là. Maintenant, tu vas me produire des connaissances, Billy. Et là, t'en es où du bâtiment? 70%. Ouais, 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 ouais. Bon. Qu'est-ce que je vais faire comme amélioration maintenant? Améliorer le scout. Ouais, on va améliorer le scout. Comme ça, on pourra aller explorer le terrain du voisin. On pourra aller explorer le terrain du voisin. Et ici, je vais venir prendre une cabane de devin en plus. On va venir prendre une cabane de devin en plus. Qu'est-ce qu'il y a? Membre du clan sans affectation. Bah, comment ça? L'éclaireur, tu peux pas? Pourquoi? Pourquoi tu peux pas? Tu veux pas aller jusque là-bas? Non, non, vraiment, tu veux pas, tu veux pas. D'accord, bon, bah écoutez, ça ne servait à rien de l'améliorer. Ça ne servait à rien de l'améliorer. Je suis un peu deg, du coup. Je suis un peu deg, mais soit. Soit.
C'est pas grave. C'est pas grave. Je vais t'envoyer faire quoi du coup? T'envoyer récupérer de la pierre, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ici, je vais vouloir l'expansion ou la production de bouffe. Peut-être la production de bouffe. Ouais, quoi que l'expansion, c'est pas mal aussi. Non, mais l'expansion, on la fera après. D'abord, on va améliorer le rendement de nourriture. Plus on a de nourriture, plus on peut s'épandre. Et ça, c'est bien. Et ça, c'est bien. Je vais vouloir prendre du terrain. Je vais vouloir m'avancer, notamment vers le Grand Lake, je pense. Ça pourrait être pas trop mal. Ça pourrait être pas trop mal. Je n'ai absolument pas de production de pierre. Je n'ai absolument pas de production de pierre. Ce qui est un peu dommage. Ce qui est un peu dommage. Et j'ai un peu tous les créneaux remplis au max. Mais pas là par contre. Je vais venir faire un marché ici. Je vais venir faire une forge aussi ici. Et je peux faire un bâtiment de bonheur aussi. On se fait attaquer, on se fait attaquer tout à droite. Toi recule, 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 recule. Recule, 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 recule. 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 Voilà, tous les trois vous allez reculer. Vous allez reculer. L'idée c'est de le laisser balader. Voilà, c'est bon maintenant. Maintenant qu'il attaque la tour, vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller, vous pouvez y aller. Toi, tu vas aller construire là-bas. Toi, tu vas venir réparer la tour très vite. Dès que le Jotnar est mort. Dès que le Jotnar est mort, tu vas y aller. Allez, Billy. Ça va être ton heure. Ça va être ton heure. Va réparer. Va réparer. C'est bien. Ici, il me reste un emplacement. Je vais mettre une maison. Je vais mettre une maison. Je vais mettre une maison. C'est bien une maison. C'est bien. J'ai un gisement épuisé. Hop. Donc, les deux mineurs, je vais vous envoyer... Je vais vous envoyer ici, mais il y en a un qui sera toujours sans emploi, c'est ça? Ouais, donc toi tu vas venir ici. Pour l'instant, là il y a un villageois, je t'envoie ici aussi pour l'instant. Pour l'instant c'est pas si mal. Ok, et ben on va peut-être commencer à attaquer par là. C'est l'hiver, c'est l'hiver, c'est l'hiver. Bon, on va éliminer les loups rapidement, et puis on va éliminer le Jotnar. On va éliminer le Jotnar, on va récupérer le Grand Lake, ça va nous permettre d'améliorer un peu notre zone, ce qui est cool. Ce qui va être cool, améliorer nos technologies, tout ça, c'est toujours bien. Je prends un peu la douille sur mon Jotnar, mais ça passe. Un bâtiment sans ouvrier. Oui, oui. Oui, ça arrive. Venez par là. Venez par là. Ça se passe comment le combat? Ça passe. Hop, on récupère le terrain. On récupère le terrain. Ici, il y a un villageois, je vais t'envoyer récupérer de la connaissance, Billy. Et je vais faire une tour, également. Ça va être assez utile. En vrai, je vais t'envoyer ici aussi. Là, production améliorée de 10%. Mais il me faudrait des cailloux. Il me faudrait des cailloux. Il y a deux emplacements d'habitants, enfin de bâtiments. Je peux faire un marché. Je mettrai une pierre. Ok, et je mettrai une pierre. Là, c'est en train de construire, c'est bien. Faites, faites, faites. Faites, faites, faites. Toi, tu vas devenir forgeron, Billy. Tu vas devenir forgeron et tu vas améliorer ma production de... De fermier, de chasseur, de pêcheur, de devin. Et pour l'instant, on n'a pas de thunes, donc ça attendra. Érudition. Ouais, la prochaine pierre est gratos, c'est parfait. C'est parfait, on va venir faire une pierre ici. On va venir faire une pierre ici. J'ai mis un marché, j'ai mis une pierre sculptée. On va mettre... rien de plus, parce que pour l'instant on est limité. Tant pis. Tant pis, tant pis. Ok. Notre ennemi va nous attaquer avec des Jotnar. Oui, youpi. Youpi, youpi. Là j'ai un villageois. Tu vas venir faire quoi? Tu vas venir faire de la forge plus vite. Tu vas venir faire de la forge plus vite. Là, il y a un villageois, on va l'envoyer là-haut, histoire de faire plus vite les bâtiments. Les Jotnar vont m'attaquer dans pas trop longtemps.
les Jotnars vont m'attaquer dans pas trop longtemps. Au niveau relation, je suis comment avec les voisins là-haut? 0%. Pourtant, je suis pas en train d'améliorer ma relation avec eux. Est-ce que j'ai rêvé? Est-ce que j'ai rêvé? Améliore les relations. Mais ça ne le fait pas. Je ne comprends pas pourquoi ça améliore pas les relations avec eux. Relation avec les Jotnar, 0%. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Je vous avoue que là, je sais pas. Là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est étonnant. C'est étonnant. Ça, j'en ai plus besoin. Les deux mineurs ici, vous allez devenir là. Des marchands. C'est bien les marchands. Est-ce que c'est de la bouffe spécifiquement qu'il faut leur envoyer? C'est ça le... Non, ça c'est le bonheur. Je ne sais pas ce qu'il leur faut. Si je vous envoie de la bouffe plutôt, est-ce que ça marche? Je sais pas trop ce qu'il faut. Je vous avoue que je ne sais pas trop ce qu'il faut. Là, je comprends pas trop. Je ne comprends pas trop. Herboriste, chaque devin augmente la production dans la zone de la cabane de devin. Ouais, ça a l'air pas mal. Ou recrutement. On va faire herboriste d'abord. Et on va réduire la consommation. Ouais, réduire la consommation, c'est bien. C'est bien. C'est plutôt pas mal. Ah, si, ça y est, là, je vois un petit peu de vert. Alors, on est à 0%. Mais il y a quelque chose. C'est peut-être qu'il fallait envoyer de la nourriture spécifiquement. C'est étonnant, mais d'accord, soit. Faisons avec. Très bien. Tu vas m'attaquer où, Coco? Tout droit? Il a l'air d'aller tout droit. Et ça, c'est bien. Parce que là, mine de rien, j'ai 5 pélos, plus mon guerrier, plus mon géant. Ce qui, du coup, est un bon truc. Pour le combat, ça m'arrange. Par contre, il va me tuer quelqu'un. Il m'a tué un habitant. Oula. Recule. Faudrait qu'il envoie les dégâts sur le gros. Ouais, je crois que c'est bon. Alors, il m'a tué un Lore Master, du coup. Il m'a tué un érudit. Et ben, c'est comme ça. Va falloir que j'aille tuer des trucs. J'aimerais bien acheter un peu des pierres. Du coup, là, on est d'accord que la relation monte. Hein. Ça y est, 2%. Mais en plus, c'est marqué en gros devant. Je l'ai même pas lu. Donnez-leur suffisamment de nourriture, ils se joindront peut-être à vous. Et c'est marqué qu'il faut leur envoyer de la bouffe. C'est marqué. Quel abruti. D'accord. Alors, les deux forgerons. Vous allez faire du bonheur pour l'instant. Là, je vais prendre un forgeron de plus. Et tu vas faire des trucs comme marchand. Ouais. Les brasseurs, améliorer le bonheur, c'est bien. Améliorer les bûcherons, c'est bien. Améliorer les érudits, c'est bien. Et améliorer mes marins. Améliorer la vitesse de construction aussi, c'est bien en vrai. On va faire ça d'abord. Un peuple heureux, le bonheur rebaisse. Ou héritage, l'hôtel des rois et le bonheur augmente de 50%. Ça a l'air bien. Et hop là, Jarl.
Parfait. Donc du coup, tu me produis un peu plus de ressources. Mais c'est très bien. Ça me va. Ça me va. Fais ça. Fais ça, Billy. Qu'est-ce que j'aimerais augmenter? Qu'est-ce que j'aimerais augmenter? Il me faudrait un marché quelque part ici. Je peux acheter un petit peu de pierre. Ouais. Là. Je n'ai pas l'argent. Ouh, ça coûte cher en vrai. Ça coûte cher. Ça coûte très trop cher. Toi, tu vas venir attaquer par là. On va venir attaquer les loups un peu. On va venir attaquer les loups et le yotnar après. On va venir attaquer le loup plutôt. Ouais, voilà, défonce-moi le loup. Toi, non, c'était l'inverse. Le yotnar y reste. Et mon héros vient en deuxième. Voilà, parfait. Comme ça, on défonce la créature et je vais récupérer encore un champ. Je vais récupérer encore un champ, je vais continuer à augmenter ma production de nourriture. Je vais continuer à augmenter ma production de nourriture. Humain, je constate que vous avez échangé beaucoup de nourriture avec nous. En effet, c'est une mauvaise chose? Au contraire, cela m'a donné une idée. Si vous pouviez nous fournir en très grande quantité, nous pourrions combattre Skyrimir et ses troupes sans l'aide de personne. Si nous vous fournissons suffisamment de nourriture, vous laisserez nous passer? Oui, vous ne le regretterez pas. Nous avons largement de quoi vous dédommager. Parfait. Parfait. Donc, on va faire un pacte avec eux. Il faut que je leur envoie 5000 de bouffe. Ah oui! Ah oui, 5000 de bouffe quand même. 5000 de bouffe quand même. Ça va se faire, hein, mais d'accord. D'accord. Ok. Bah très bien. Très bien, on va s'en occuper. On va s'en occuper. Paf, un champ. Un silo. Une tour. Une mine. Et on va envoyer des gens. On va envoyer 3 habitants tout de suite. Venez ici et réparez-moi tout ça. Enfin, réparez-moi. Mettez-moi tout ça bien au propre. L'outil de le brasseur est amélioré. Parfait. Parfait. Qu'est-ce que je peux améliorer d'autre encore derrière? Bah non, j'ai plus ce qu'il faut. Je n'ai plus ce qu'il faut. Ah oui, ça coûte cher, c'est vrai. Ça coûte cher. Ça coûte très très cher. Je vais pouvoir pas améliorer grand chose tout de suite, tout de suite. Il me faut 10 de pierre en plus parce que j'ai pas la réduction du coût. Parce que j'ai pas la réduction du coût. Je vais peut-être vouloir améliorer la bouffe. Hein. Quoique les marchands c'est bien aussi. Hein. Les marchands c'est bien aussi. On va faire ça un peu, tu sais, on va faire des banquets de temps en temps histoire d'un peu booster la prod. Ça fera pas de mal. Je vais vouloir récupérer le courroux de Thor également. Je vais vouloir récupérer en fait tout ça. Là d'ailleurs il me faudra juste de la bouffe. Il me faudra juste de la bouffe. Il me faudra juste de la bouffe. Et il y a des Yotuns sauvages qui traînent un peu partout. Il y a une Valkyrie, un Yotun sauvage ici. Certes. Certes. Une petite connaissance de plus. Je vais probablement vouloir augmenter la vitesse à laquelle je fais de la pop. Je vais vouloir augmenter la vitesse à laquelle je fais de la pop. Clairement. Là je vais en envoyer 2. Voilà. Vous êtes devenus des incroyables paysans. Bravo, bienvenue. Et j'ai 2 villageois. J'ai 2 villageois. On est d'accord qu'il n'y a plus personne qui récupère quoi que ce soit hein, en termes de minage. Non. Non. Bah écoute, tu viendras ici, tu es un mineur maintenant. Bravo Harry. Et tu es un mineur aussi, Jean-Jacques. Bravo. Bienvenue. Je peux venir améliorer ici une des tours. En vrai, on va le faire puisque ça va être le coin d'accès des ennemis. Donc on va le faire. Et ici, je vais développer la zone parce que je vais vouloir rajouter autre chose, un marché. Je vais vouloir rajouter un marché. D'ailleurs, toi, tu vas pas devenir tout de suite mineur. D'abord, tu vas me faire le marché. D'abord, tu vas me faire le marché. Tu vas me faire le marché. Ce qui sera bien. Ce qui sera bien. L'idée, ça va être de mettre un maximum de gens là-dedans. Je vais vouloir mettre quoi ? Un truc qui fait des gens. Une brasserie en vrai. Ouais, je mettrai une brasserie. Une fois que la mine de fer sera épuisée, je mettrai une brasserie. J'ai pas un géant qui... Non, il va m'attaquer. J'ai cru qu'il allait déjà m'attaquer, mais non, il va m'attaquer. Il va m'attaquer dans pas longtemps. Il va m'attaquer dans pas longtemps. Ok. Ok, ok. Bah très bien. En vrai, ça se passe bien. Hein. Ça se passe plutôt bien. Hein. Ça se passe vraiment plutôt bien. On est pas mal. Hein. On est pas mal. Hein. On est pas mal du tout. On est pas mal du tout. Je manque de pierres. J'ai vu qu'il y avait pas mal de pierres par ici. Il y en a 112. On va vouloir les récupérer.
on va vouloir les récupérer. Mais alors, ça va prendre un peu de temps. 1, 2, 3. Ouais, en 3 territoires, on peut y aller. En 3 territoires, on peut y aller. Sachant qu'en fait, c'est 4 parce que je veux d'abord protéger cette zone. Je veux d'abord protéger cette zone. Histoire d'être tranquille. Tu vas m'attaquer où, Billy? En dessous? En dessous. Il va m'attaquer là. Il va m'attaquer là. Toi, recule un peu. Il faut qu'il attaque en premier le Jotnar. Il faut vraiment qu'il attaque en premier le Jotnar, qu'il se prenne les dégâts sur lui direct. Voilà, parfait. 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 Hop, vous devenez des mineurs, Billy. Vous devenez des mineurs. Très bien. Très bien. Très très bien. C'est parfait. C'est parfait. C'est ce que je voulais. C'est ce que je voulais. Ok. Bah maintenant, je vais économiser un peu de thunes. Je vais économiser un peu de thunes et je vais acheter de la pierre. Je vais acheter de la pierre pour pouvoir améliorer un peu des bâtiments le temps qu'on puisse aller faire le chemin à gauche pour aller récupérer le territoire. Sachant que d'abord, il faut d'abord que je récupère ici. Après, là, je vais bientôt avoir le bonus. Oh, vous savez quoi? On va tuer le loup. Voilà. On va tuer le loup. On va reculer un peu. Voilà. Et ça devrait passer. Je récupérerai la zone qui est ici. Je vais récupérer la zone qui est ici et mettre justement ce qu'il faut. J'ai amélioré ma tour de défense d'ailleurs, ce qui est très bien. Ce qui en vrai est très bien. A mon avis, c'est un bon plan. A mon avis, c'est un bon plan. On va venir améliorer les dégâts. Ah, quoique. Non, je pense que je vais faire un peu plus heureux. Pour recruter des gens plus régulièrement. Et hop, on va récupérer ça. Oh, très bien. Très bien. On peut coloniser ici. Et on colonise ici. On colonise ici. Comme ça, on n'est pas trop mal. Et je vais venir mettre des tourelles de défense. Je vais venir mettre des tourelles de défense partout. Hop. Et du coup, c'est une zone où on va mettre un marché. Parce que pourquoi pas. On va vouloir mettre une brasserie. Parce que pourquoi pas. Et on va vouloir mettre... Faut que je mette des choses, en fait, qui sont utiles. Et qui font des, du coup des gens. Ici j'ai des villageois. Et ben les 5 villageois vous allez partir au nord. Vous allez partir au nord ici. Vous occupez de tout ça. Faudrait d'ailleurs que j'améliore la zone. Je vais même rajouter encore un bâtiment. Je vais rajouter un bâtiment. Je vais rajouter quoi? Un lore master? Pourquoi pas? Oh allez, pourquoi pas. Ça coûte de la pierre. C'est quand même con de dépenser la pierre. C'est quand même con de dépenser de la pierre. Non, non, on va pas dépenser ça parce que la, dépenser de la pierre c'est débile. Dépenser de la pierre c'est débile. Je vais mettre un bûcheron de plus. Ouais, on va mettre un bûcheron de plus. Juste voilà, ça sera pas si mal déjà. Ça sera pas si mal déjà. On a un membre du clan sans affectation. Toi, mais tu vas continuer à améliorer ce qui traîne. Tiens, améliore les marchands, améliore les marins, améliore les mineurs. Pop, pop, pop. Hein. Et puis, bah après, améliore les troupes. Hein. Ah, tu n'as plus de fer. Et bah, ça attendra un peu. Ça attendra un peu. Ici, et ben, tu vas devenir un lore master. Tiens, enfin, un lore master. Tu vas devenir voilà, un Billy. Toi, tu deviens ça. Et il me reste encore un villageois qui ne sait pas quoi faire. Tu vas devenir un marchand. On va produire plus de bonheur parce que pourquoi pas. Et ici on va améliorer ça. On va améliorer ça. Voilà, très bien. L'idée c'est vraiment de faire un maximum de troupes. Notre ennemi va nous attaquer. Très bien. Là les deux territoires à la sortie de chez lui, et eh ben c'est tout de suite des troupes qui sont postées là, qui sont en défense. Donc ça va être plutôt pratique. Ça va être plutôt pratique. L'idée va être vraiment d'améliorer tout ça en fait hein, pour avoir un maximum de population là-dedans. On va vraiment mettre des améliorations partout. On va vraiment mettre des améliorations partout. Ah, j'ai pas de thunes. Ah. Je n'ai pas de thunes, hein, Billy. On va avancer jusqu'ici. Hop là, ça, j'en ai plus besoin. Je vais rajouter un bâtiment de bonheur, tiens. Pourquoi pas. Là, vous allez devenir des marchands. Vous allez devenir des marchands. Ce qui est bien. C'est déjà un bon début. J'ai besoin de pognon, donc autant en profiter. Autant en profiter. Et il y a un des deux villageois qui va venir ici pour améliorer la production de bonheur. L'autre va devenir... va devenir un marchand, voilà, pourquoi pas.
Très bien. Très bien. Très bien. Je peux encore rajouter quelqu'un pour le bonheur. Toi, mon tout, mon roi, tu vas devenir un autre mec du bonheur. On va vraiment augmenter la population un maximum. Problème, c'est qu'ils tapent vraiment fort, les Jotnars. Donc, ils vont tuer forcément de temps en temps des villageois. Mais bon, on fait avec ce qu'on a, quoi. On fait avec ce qu'on a. Ici, je vais pouvoir coloniser dans pas si longtemps que ça. Mais on a dit qu'on voulait d'abord aller récupérer la pierre. On a dit qu'on aimerait bien aller récupérer d'abord la pierre. Ça serait bien. Je vais faire quoi? Expansion réduite? Ouais, pourquoi pas. Augmenter la production de pognon. Vu que je vais avoir besoin d'acheter pas mal de choses, peut-être augmenter la production de pognon. Ouais. Peut-être augmenter. Ah, vous savez quoi? Manteau de fourrure. Comme ça, j'ai plus le malus l'hiver. J'ai plus de malus l'hiver, ça me semble bien. Ça me semble bien. On a un villageois en trop. Tu vas venir devenir ici un Jean-Polo. Un Jean-Polo incroyable. Tu es un bûcheron. Tu es un bûcheron Harry. Voilà. Tu es un bûcheron Harry, c'est génial. Ok. Là, j'ai quand même pas mal de gens dans cette zone-là. En vrai de vrai, j'ai quand même pas mal de gens dans cette zone-là. Je vais quand même perdre des troupes. Mais le Jotnar devrait mourir. Le Jotnar devrait mourir. Je pense qu'il devrait mourir. Je vais manquer un peu de pierre. Donc je vais aller récupérer les territoires qui sont à gauche. Je vais y aller. C'est juste que ça va me prendre un peu de temps. Là, si on regarde... ouais. Je pourrais attaquer vite fait ici. Hein. Il y a juste une petite Valkyrie qu'on va essayer de défoncer. Le Jotnar va arriver, mais bon, ça va passer entre temps, je pense. Je pense que ça va passer. Il y a un endroit, il y a un bâtiment sans ouvriers. Oui, peut-être. Ça doit être la brasserie ici. Ouais, c'est la brasserie ici. Tiens, viens. Hein. Viens. Hop là. On va venir ici, filer un coup de main. Il y a un Jotnar qui arrive tout de suite, on le voit. 800. Il va me falloir 800 de bouffe et je suis à moins 7. Où que ça craint? Il y a deux Jotnars! Ah, il y a deux Jotnars maintenant. Il y a deux Jotnars. Certes. Ça craint un peu du boudin du coup. Ça craint un peu du boudin parce que du coup mon Jotnar va commencer à prendre quand même pas mal de dégâts. Ouais. Alors ça va passer. Mais il va peut-être falloir que je fasse reculer mon Jotnar. Quoique. Ça passe. Ça passe. Il aura jamais le temps de faire les dégâts suffisants avant de crever. C'est bon. C'est bon. C'est passé, nickel. Ici on achète. Ici on achète. Voilà. L'idée c'est d'augmenter vraiment un maximum ce qui traîne ici. Hop là. On a encore un paysan là. Tu vas devenir un devin. Tu seras Jean-Michel Devin. C'est incroyable. Par contre, je suis en négatif de bouffe. Ça c'est nul. Je suis en négatif de bouffe. Mais après, je peux acheter pour améliorer mes champs. Je peux acheter de la pierre pour améliorer mes champs. Hein. Ouais. On peut faire ça. Hein. Alors évidemment, on peut faire ça si j'ai de l'argent. Ce qui n'est pas le cas. Je manque de thunes. Après, on a un plus 30 qui fait quand même plaisir. Je vais organiser un festin pour augmenter un peu ma production. Notamment en termes de bouffe, on repasse en positif. Ça fait plaisir. Et dès qu'on aura assez, je vais améliorer ma production. Je vais continuer à améliorer ma production de nourriture. Et d'ailleurs, on va commencer en améliorant ici. Hein. Allez, achète dès que tu peux de la pierre, Billy. On en a besoin. Allez. C'est un peu lent. Voilà, parfait. Très bien. Une petite pierre qui est à l'achat quelque part. 41 quand même. C'est un peu deg de ne pas avoir les réductions de commerce. Hein. C'est vrai que les technologies de réduction de commerce, c'est pratique. Là, du coup, ne pas les avoir, bah, tu le sens. Tu le sens passer. Et tu te fais la réflexion que c'est effectivement bien quand tu les as, les technologies. C'est bien. Allez, on va pouvoir acheter la pierre qui manque. Parfait. Et ici, on va pouvoir améliorer dès que j'ai le pognon. On va pouvoir mettre un fermier de plus. Ça devrait aider à repasser un peu en positif. Allez, on y a presque. Hop là, c'est bon. Bien là, Billy. Tu es désormais un fermier, Jean-Paul. Là, tous les emplois ne sont pas encore remplis. Il y a un bûcheron qui manque. Et j'ai pas encore amélioré ici la brasserie. Mais en même temps, j'ai pas ce qu'il faut.
Et ben, confère 3 de bonheur si vous avez Svern et 1 de bonheur par camp militaire amélioré. Donc j'aurai 3 de bonheur et une fois que j'aurai amélioré les camps, j'en aurai encore plus. Je pense qu'on va d'abord augmenter la production de pognon. C'est assez important. L'idée c'est qu'en augmentant la production de pognon, je vais pouvoir acheter des pierres. Et si j'achète des pierres, je vais pouvoir améliorer. Des bâtiments. Tout simplement. J'ai vraiment pas assez de thunes. Il me manque quelqu'un pour le bonheur là-haut. Je peux mettre une personne de plus pour le bonheur ici. Ça c'est beau. J'ai plus de maison. Ah. On va venir rajouter des maisons. Toi tu vas venir construire une maison. Il va falloir que j'améliore les maisons. Une bataille épique est en approche. C'est quand même con que j'ai pas ce qu'il faut pour aller récupérer le territoire à gauche. Ça serait pratique. Ouais. Tiens d'ailleurs ici, je peux encore améliorer quelque chose. Bah la dernière troupe qui manque, hein. Même si en vrai ça me fait une belle jambe. Il y a que 2 unités que j'ai pas améliorées, c'est l'éclaireur et le forgeron. Et en vrai, un peu beaucoup aux F. Là t'as amélioré la maison, c'est bien. Viens faire du bonheur. Tu seras Jean-Michel Bonheur. C'est incroyable, continue. Je peux réorganiser un festin, vas-y on réorganise un festin. On va essayer d'augmenter ma renommée. Quoique j'en ai plus besoin d'augmenter ma renommée en vrai. J'ai plus vraiment besoin d'augmenter ma renommée. Bon au moins ça me fait produire plus de ressources, hein. C'est toujours ça de prix. Et l'idée va être d'acheter bien évidemment des cailloux. Plein de cailloux. Dès que j'en ai. Alors le problème c'est que là je peux acheter que pour 200. Ce que j'ai pas. Donc il va falloir que j'attende que j'ai 200 de pognon de côté. Et ça va prendre un peu de temps. Ce qui fait que la question qui se pose c'est est-ce que j'améliore la bouffe ou est-ce que j'améliore la production de pognon. Et à mon avis je vais améliorer la production de pognon. Puisque plus j'ai de pognon, plus j'ai de quoi acheter des pierres. Plus je peux améliorer notamment les productions de nourriture. Ce qui me semble bien. En attendant, on continue à vendre la nourriture d'ailleurs au Jotnar. On est à 1200 sur 5000. Bon, on a encore de la marge de manœuvre, hein, mais c'est en train d'être fait. Il faudrait aussi que sur le papier, je vienne conquérir ce territoire-là. Sur le papier. Je vous avoue que pour l'instant, j'ai pas la bouffe pour, quoi. Je n'ai malheureusement pas la bouffe pour. Mais ça serait bien. Ce serait pas mal. Le prochain festin, c'est 510. Ah oui, d'accord. Eh ben, c'est pas pour tout de suite. On va avoir un combat épique dans pas longtemps. Je ne sais pas du tout de quel côté ils vont attaquer. Je vais bientôt pouvoir acheter 5 pierres d'un coup, en fait. On va se faire plaisir. L'arme de l'unité porte-bouclier a été améliorée, très bien. Hop. Alors, je vais améliorer le marchand. Je continue à rajouter des unités ici, hein, évidemment, en priorité. Tout au nord, puisque c'est là qu'on se fait attaquer constamment. Là, il me faudrait combien? 5. Oh, il y a moyen. Un petit caillou va arriver, là, non? Ouais. Dès que j'ai 40, hop là, je vais pouvoir améliorer la production de nourriture ici. Ce qui va être bien. Là, je suis à moins 8. Je suis passé à moins 7. Oui, je pense parce que j'ai amélioré le silo. Ok, c'est bien. Vous allez attaquer à droite. Pourquoi pas. De toute façon, encore une fois, je suis en train d'améliorer ces secteurs-là pour qu'il y ait un maximum de population dedans et qui du coup prennent les coups. Hein. Ils sont vraiment là pour ça. Et l'idée, c'est qu'ils ne frappent pas autre chose. Il frappe les Jotnar en priorité pendant que tout le reste de mes unités sont en train de se défendre et du coup de les défoncer. Là mon héros prend des coups mais je pense que ça va passer. Parce que l'autre il va tomber très très vite. Ah c'est limite quand même. Non mais il meurt. C'est bon. J'ai une connaissance en plus. On va augmenter toujours les revenus.
on va augmenter toujours les revenus. Ok. Il me faut racheter encore de la pierre. On a 120, ouais. Je vais devoir améliorer encore de la bouffe. Je vais devoir améliorer de la bouffe, donc il va me falloir encore pas mal. Il va me falloir encore pas mal, parce que là on est repassé en négatif. Hein. On est repassé en négatif. Hein. Ce qui est pas bon. Ce qui n'est pas bon. Pas bon, pas bon, pas bon. Alors que j'augmente aussi ma quantité de maisons, ou que j'améliore des maisons. Si je veux améliorer des maisons, ça veut dire qu'il faut que je récupère encore de la pierre, comme toujours, évidemment. Évidemment, évidemment. Quelle joie. Quelle joie. Il me faut 200, hop. Ok, c'est acheté. Je suis à 7 pierres, il m'en faut 10. Il m'en faut 10 pour améliorer un endroit. Là, je vais pouvoir en acheter une, hop. Là, je vais pouvoir en acheter une bientôt aussi. Ça monte relativement bien, c'est quand même le bonus là-dessus. C'est qu'on a quand même plus 35 de pognon, ce qui est pas mal, ce qui est pas mal, ce qui est pas mal du tout. Donc ça monte plutôt pas mal. Par contre, on est au maximum de pop. On est au maximum de pop. Ça, c'est chiant. Ça, c'est chiant. Et là, il manque un caillou. Il me manque un caillou. Il me manque un caillou. Ah oui, évidemment. Évidemment, évidemment. J'ai un forgeron qui ne sait pas quoi faire. J'ai un forgeron qui ne sait pas quoi faire. Tu deviens un habitant. Tu as globalement amélioré tout ce que je voulais. C'est bien. Tu as bien travaillé, Billy. Il me faut un caillou, allez, un petit caillou. Un petit caillou, s'il vous plaît, dans le marché. Voilà. Parfait. Donc là, je peux améliorer le champ. Et je viens rajouter quelqu'un en plus dedans. Donc on est à moins 4, ça devrait peut-être passer en positif. Ça devrait peut-être passer en positif. J'espère, évidemment. Parce que quand même, je rajoute un paysan entier, carrément. Un paysan, normalement, ça produit pas mal. Hein. Là, vous voyez que de toute façon, mes paysans, ils produisent quasiment 30 de nourriture. Et là, il arrive. Produit 35. Eh ben voilà, je suis repassé en positif. N'est-ce pas magnifique? N'est-ce pas magnifique? Je suis repassé en positif. Très bien. Ben, vous savez quoi? Je vais aller nettoyer les terrains ici, à gauche. Tu vas passer par là. Ben, en vrai, tu vas passer même directement par là. Hein. Tu vas aller en ligne droite. On va aller niquer un peu la Valkyrie. Pour que je puisse la coloniser. Que je puisse coloniser, il me faut 800. Bon, ça, c'est pas... C'est pas tout petit comme prix, mais il y a moyen. On va récupérer ce qu'il faut. On va récupérer après ici. Et on viendra récupérer les pierres ici. Hein. Ça va être le but assez ultime. Et évidemment, en attendant, on continuera d'acheter de la pierre au marché pour pouvoir les améliorer au fur et à mesure. Hop. Voilà. Tac. Très bien. Comment ça se passe avec la Valkyrie? Ça va, ça se passe bien. Ça se passe bien. Ça se passe bien. Parfait. On a fait un sprouch. On avance. On avance, on avance. Dès qu'on aura 800, on ira coloniser, évidemment, en faisant attention. Là, contre les loups, ça devrait bien se passer. Ça devrait bien se passer. Je vais avoir l'attaque ennemie. Je vais avoir l'attaque ennemie. Je reviens donc en arrière. Je vais revenir ici. Je vais revenir ici. Là, j'achète des cailloux. Là, j'achète des cailloux. Je suis à 8. Yay. Il faudrait 200. Ça prend toujours un peu de temps. C'est le problème. Hein. C'est vraiment le problème, c'est que ça prend toujours un peu de temps. Ça prend toujours un peu de temps. Bon, là, 800 de nourriture, on est à plus 18, et on est à 400 en stock, c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal, c'est déjà bien. Hop, hop, ici, encore une, parfait, je vais pouvoir améliorer ici, dès que j'ai assez de pognon, je vais mettre un pêcheur de plus, un petit pêcheur de plus, ça fera pas de mal, hein. Ça fera pas de mal, bien au contraire. Allez, on y est presque, hop là. Je prends un paysan et je l'envoie. Nourriture en plus. Nourriture en plus. Très bien. Très bien, très bien. L'idée, c'est vraiment de développer un maximum notre nourriture pour pouvoir aller tout simplement coloniser là-bas et récupérer du coup le gros, gros champ de pierre qui est là-bas. Ça serait bien aussi, après, une fois qu'on a récupéré le champ de pierre, parce qu'une fois qu'on a le champ de pierre, on va récupérer énormément de pierre. Et ça, du coup, ça nous permet d'améliorer énormément de choses, comme par exemple les bâtiments de production de nourriture. On ira du coup venir coloniser ici le courroux de Thor. Je pense que ça sera vraiment bien ça aussi. Je pense que ça va être vraiment bien ça aussi. On a un bâtiment sous ouvrier. Oui, toi, la forge, c'est normal. En vrai, c'est normal. Je n'ai plus de maison. Oui. Pourquoi est-ce que ça m'a augmenté? J'ai utilisé... Non, j'ai tué personne. Pourquoi est-ce que... Ça me fait pas d'emplacement d'habitation ça, non? Bah non. Je sais pas pourquoi, ça m'a refait le bruit. Normalement, ça m'a fait le bruit tout à l'heure, comme quoi j'étais arrivé au 55 sur 55. Je sais pas pourquoi ça me l'a refait. Je sais pas. Je ne sais pas.
ma foi, c'est pas grave. On va venir acheter, en attendant, de la pierre. Plein de pierres. Je n'ai pas les 200, évidemment. Je n'ai pas les 200. Peut-être augmenter encore un marché. Parce qu'on est repassé en positif de bouffe. Donc peut-être re-racheter encore de quoi améliorer ma production de pognon. En vrai, ça me semble pas déconnant. Ça me semble pas déconnant. Bon là, je suis à 7. Il m'en faut 10. Allez, on va essayer d'améliorer encore un petit marché, bah, celui qui sera là à mon avis. Hein. L'idée c'est que vraiment on ait un maximum de pierres tout le temps. Tout le temps de la pierre. Pour pouvoir vraiment améliorer un maximum de bâtiments et avoir des productions assez phénoménales. Allez, on est à 8. On est à 9. Là, il va me falloir 120, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Par contre, on est à 740 en termes de nourriture. Je vais pouvoir coloniser le marais ici bientôt. Je vais réduire même d'ailleurs le coût de colonisation. Ça me coûte maintenant 650, ce qui est beaucoup mieux. Ce qui est beaucoup mieux. Hop là, on récupère le territoire qui est là. C'est parfait. Il me faut un caillou. Hop, j'ai un caillou en plus. Je vais pouvoir améliorer le marché qui est là. Je me fais attaquer à gauche. Bon, là, je vais perdre des gens, par contre. Mais c'est pas grave. Autant à droite, ça m'énerve parce qu'il y a de la nourriture et que j'ai vraiment, vraiment pas envie que les gens qui produisent de la nourriture meurent. Autant ici, à gauche, en vrai, c'est du bonheur, c'est de la science, c'est du bois. C'est bien d'en avoir en plus, mais c'est pas grave s'ils meurent. C'est pas très, très grave s'ils meurent. Après, il y a quand même ceux qui produisent des thunes. Si. Ouais, si, il y a quand même ceux qui produisent des thunes aussi. Oui, bon, c'est pas grave, on s'est compris. Ok, c'est bon, c'est passé. Là, on a deux villageois. Donc là, on a perdu du monde, hein, donc forcément, ça va prendre un peu de temps. Ça va forcément prendre un petit peu de temps. J'envoie quelqu'un là-haut. Toi, tu vas devenir un bûcheron. Tu vas devenir un bûcheron, Harry. C'est incroyable, tu es devenu un bûcheron, Harry. Hop, hop. Toi, tu vas devenir un bûcheron aussi. Voilà, je renvoie les gens là où il faut. La prochaine colonisation, ça va être combien? 780, d'accord. Par contre, mes deux champions sont à fond. Je vais envoyer ici pour attaquer la Valkyrie. Il y a une Valkyrie toute seule, on va la vaincre. On va lui mettre une grosse baffe. Ok, il me reste plus qu'un pélo. Très bien. Ici, j'achète de la pierre, je continue. C'est ouf cette énergie déployée à monologuer, n'est-ce pas? C'est impressionnant, hein. Moi, je pourrais pas. Eh ben écoute, ça fait 6h16 hein, que je monologue. Hein. Ça fait 6h16 et c'est assez récurrent, hein, en vrai. Mes streams, en général, ils durent bien 7h, 6-7h à chaque fois. Donc c'est assez récurrent. Hop, on va aller vaincre ici la Valkyrie. Ça me permet de récupérer ça assez rapidement. Pas tout de suite, parce qu'il faut d'abord coloniser le territoire d'avant qui demande 780. Hein, donc c'est quand même assez infernal. Mais bon, ça va pas trop tarder. Et une fois qu'on aura ça, ça sera beaucoup mieux. On va renvoyer mes mecs ici en attendant. Là, vous, je vais vous envoyer devenir un brasseur. Soyez des brasseurs, c'est bien. Venez reprendre des cailloux. Je peux améliorer un nouvel endroit. Je vais améliorer quoi? Je produis pas mal de bouffe, donc c'est pas nécessaire d'améliorer ça. Je pense que je vais commencer à améliorer des maisons. Qui coûte que 5? Ah, qui coûte que 5? Je vais améliorer deux maisons, comme ça, ça me laisse pas mal de place. Cet homme ment, je lui ai parlé il y a 2 heures. Oui, c'est vrai. Le dernier message avant toi, Mosquitux, c'était à 15h31. Par papy. Et encore avant, le dernier message était à 15h17. Voilà. Donc effectivement, on me parle de temps en temps. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ben, il y a eu 3 personnes qui ont parlé. Aujourd'hui, il y a 3 personnes différentes qui ont parlé, en tout et pour tout. Et j'ai... c'est simple, ici je le vois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 messages. En tout et pour tous, dans toute la journée, j'ai eu 13 messages sur 6h20 de stream. Quelle joie. Là, ça fait 2 semaines hein, qu'il y a très très peu de monde. Et je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi il y a aussi peu de monde. Ça arrive des moments où bah, ça se calme drastiquement en termes d'influence. C'est vrai qu'il y a des moments où il y a... Pendant pas mal de temps, j'ai été entre 10 et 20 personnes sur mes streams. Ça a baissé, c'est plutôt été sur les 10. Plus récemment, c'était remonté plutôt sur les 10 à 20.
Là, ça a rebaissé à nouveau, plutôt sur le coup des 5 à 10. Je sais pas trop pourquoi. Mais effectivement, aussi, je ne suis pas sûr que ce soit un homme. Il est peut-être un personnage de synthèse. Alors, surtout, je suis non-binaire, donc je suis pas un homme. C'est ça aussi, c'est à prendre en compte. En vrai. On va se faire réattaquer dans pas très longtemps, en plein hiver en plus. Mais maintenant, on n'a plus le malus de l'hiver. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Est-ce que je peux coloniser ici 780? Non, je ne peux pas. Nul. Nul, 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 nul. Je vais rajouter des gens. Bah non, en fait. Vous êtes à fond. Je vais racheter des pierres. Je vais racheter des pierres. Hop là. Est-ce que j'ai encore un marché quelque part? Oui, là. Ouh, par contre, ouais, du coup, c'est rempli, donc il me faut 200. Il me faut 200. Il me faut 200. Bon, bah, on va attendre un petit peu. On va attendre un petit peu. Un être, exactement. C'est bien un être. J'ai de quoi coloniser, par contre. Ah non, 780. Erreur. Erreur. Par contre, je peux acheter ici des cailloux. Ok, j'ai de quoi améliorer quelque chose. Qu'est-ce que je vais améliorer? Qu'est-ce que je vais améliorer? Qu'est-ce que je vais améliorer? Est-ce que j'irai pas améliorer un peu la production de bouffe? Ah, la production de bouffe, la production de pognon. Je suis toujours en positif, en vrai, de pognon. Donc, je serais tenté de dire plutôt une amélioration de mes revenus. Une amélioration de mes revenus me semble plus adéquat. Plus j'ai de thunes et plus je peux acheter de trucs. Et ça, c'est bien. Concrètement, la non-binarité a quelles conséquences outre l'aspect d'auto-identification? C'est-à-dire, comment ça... quelles conséquences? Qu'est-ce que tu sous-entends par conséquences? Parce que du coup, je ne sais pas exactement qu'est-ce que tu sous-entends par ça, donc je ne saurais pas quoi te répondre, en vrai. Là, je peux coloniser. Hop là, on colonise. Plus qu'un, et on pourra enfin récupérer toute la pierre qui est là. Comment ça impacte ta vie sociale? Mal. Concrètement, mal. Parce que bah, du coup, tu as pas mal d'a priori de pas mal de gens. Beaucoup de gens qui te méjorent, ce qui est assez désagréable. aussi. Pas de ouf, pas de ouf. C'est un peu un combat constant parce que t'as plein de gens qui vont te mégenrer sans forcément faire exprès. C'est un sujet de Discord. Ah bah un petit peu oui, un petit peu parce que t'as beaucoup de gens qui vont te dire que par exemple c'est compliqué pour eux d'utiliser des pronoms neutres. C'est pas habituel. C'est parce que c'est vrai que c'est dans notre langue pas quelque chose de très commun. C'est pas quelque chose qu'on a appris, on va dire à l'école ou quoi, en tout cas en France. Et du coup, ben, y a beaucoup de gens pour les pronoms neutres, ben, c'est très très compliqué à utiliser. Et même quand ils les connaissent, et ben, on peut avoir des réflexions du genre « Ouais, mais c'est moche. » Mais comme c'est moche, ben, j'ai pas envie d'utiliser. Puis tu comprends, moi, ça met quand même en souffrance de devoir utiliser un pronom neutre. Donc, je vais continuer à te dire « homme ». Je vais continuer à te dire « il ». Et ça, j'avoue que c'est un peu, beaucoup, très agaçant. Vraiment, vraiment très agaçant. Et c'est assez récurrent, hein. C'est pas quelque chose qui arrive une fois de temps en temps. C'est quand même quelque chose qui arrive régulièrement. Donc globalement les conséquences pas ouf sur 20, voilà, je dirais pas ouf sur 20. Je vais améliorer quelque part quelque chose qui produit de la nourriture, ici, et rajouter quelqu'un, parce qu'on est reparti en négatif de nourriture. Voilà, parfait. Là, je vais venir mettre en sécurité, allez, très bien, je vais augmenter un peu mon bonheur, c'est bien. Je me fais attaquer où? Je me fais attaquer ici, hop. Ah par contre ils vont attaquer ma bouffe, non, mais non, mais non. Attaquez pas mes productions de nourriture, quoi. J'en ai besoin. J'en ai besoin. Allez. Allez, allez. Et ici, on a deux villageois que je vais envoyer là-bas dans le nord. Dans le grand nord. Hop, venez par là-bas. Venez par là-bas. Là, j'ai un moins 9 de nourriture qui fait mal. J'ai un moins 9 de nourriture qui fait mal. Qui fait très mal, même. Ouais. Vite. Alors, on est repassé à plus 1. Très bien. Très bien. On va essayer de remettre un maximum de gens tout de suite. Là, c'est bon. On a pris un peu la douille. 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 Ouais. Faudrait que je rajoute des guerriers, peut-être, à un moment donné. Faudrait peut-être que je rajoute des guerriers à un moment donné. On verra. Mais ça peut être un bon plan. Ça peut être un bon plan. Parce que là, du coup, j'ai perdu quand même pas mal de monde. J'ai quand même perdu pas mal de monde. Fait chier. Fait chier, fait chier, fait chier. On est à combien? 70. 80. J'ai de quoi améliorer quelque part. J'ai de quoi améliorer quelque part. Est-ce qu'il y a une production de nourriture que j'ai ratée? Oui, ici. Ah oui, mais du coup, il faut du pognon. Dès que j'ai assez, je vais pouvoir rajouter ici un petit...
chasseur en plus. Hop, parfait. Et tu viens là. Et tu viens là. L'idée, c'est vraiment d'augmenter un maximum la production de nourriture. Faudra d'ailleurs que j'augmente les silos aussi à terme. Hein. Il faudra que j'augmente les silos aussi à terme. On est à peu près à la moitié de la nourriture qui doit être donnée au Yotnar pour avoir le laissez-passer. Ce qui est quand même pas mal. Ce qui est quand même pas mal. Hein. Ici, il nous faudra combien ? 920. Ça va demander du temps. Ça va demander du temps. Ça va demander du temps. Et là, j'ai pas encore eu le temps de remettre tout le monde. Hein. Ok. Ok, ok. En vrai, il est quelle heure ? Il est 16h46. Je pense qu'on va pas trop tarder. On va sauvegarder et on finira la mission une prochaine fois, genre demain matin. Parce que le temps passe. Elle commence à être tard. Ça fait déjà 6h30 que je suis en live. La VOD, ça fait déjà plus d'une heure. Et j'aime pas faire des VOD trop longues. J'aime pas trop faire des VOD trop longues. Donc je pense qu'on va pas trop tarder à couper. Et que je vais vous envoyer en raid chez quelqu'un. Peut-être améliorer une petite maison. Quoique non, en vrai je vais continuer à récupérer de la pierre. Je vais continuer à récupérer de la pierre, améliorer autre chose. Améliorer des silos de nourriture, ça peut être bien. Ouais. Je pense qu'on va continuer à faire ça. Ouais. Bon, je vais couper là pour toi, petite fougère de YouTube. Petite fougère de YouTube, on s'arrête là pour cet épisode. J'espère que tu as passé un bon moment avec nous. Je vais sauvegarder la campagne. Je vais sauvegarder la campagne ici. Paf. Voilà. Jotunheim, sauvegarder. Je te dis à très bientôt, petite fougère de YouTube. Des bisous. Ciao.